Après son passage en Martinique, le président de la République Emmanuel Macron atterrissait ce matin sur le sol guadeloupéen. Accompagné de la ministre de la Santé et la ministre de l'Outre-mer, ce passage permettra de faire le point sur les problématiques de l'eau, du CHU ou encore des sargasses. C'est l'engagement que j'avais pris il y a un an. Après Irma, revenir. Revenir pour être aux côtés de nos concitoyens, voir ce qui a été fait et parfois pas fait, et ce qu'on doit améliorer. En tout cas, je suis très heureux de poursuivre cette tournée dans les Antilles, après un peu plus d'un jour passé en Martinique, et après un déplacement international sur des sujets qui nous concernent toutes et tous ici, en particulier les sujets climatiques. Heureux donc d'être en Guadeloupe, où nous allons, durant cette journée et la matinée de demain, évoquer d'abord les préoccupations du quotidien de nos concitoyens. La première, c'est l'eau. Nous allons nous y rendre tout de suite. Je veux que dans notre pays, sur tous les territoires, l'accès à l'eau courante de qualité soit une réalité. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas et ça n'est pas tolérable. Une très grande mobilisation s'est faite ces derniers mois pour régler ce problème qui remonte il y a très longtemps et qui est lié à des insuffisances multiples. Et pour y répondre, nous avons pris des engagements. L'État est au rendez-vous, il triple son engagement sur les années à venir. Il est au rendez-vous en termes d'accompagnement sur une compétence qui n'est pas de premier ordre la sienne. Nous serons au rendez-vous parce que les collectivités se sont mobilisées. Je veux ici les en remercier. Et nous avons eu avec le président Chalus de très bons dialogues. Et puis il doit y avoir un rendez-vous collectif qui est aussi progressivement une pédagogie, une acceptation pour toute la population. Quand l'eau est de qualité courante, l'eau doit à nouveau être payée. Or le défi que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gaspillage. 50% quasiment est perdu, gaspillé, et il y a encore beaucoup trop d'impayés. Et donc c'est cette dynamique positive que nous devons réenclencher par ces investissements, par cette politique d'action de responsabilité collective. Et je souhaite qu'on puisse tenir cet objectif de ne plus avoir de tour d'eau dans les 2 ans. C'est largement à la main des collectivités, mais l'État, lui, sera au rendez-vous et mettra tous les engagements qui sont les siens pour obtenir cet objectif, parce que je sais que nos concitoyens l'attendent et nous leur devons. Nous irons ensuite évoquer le sujet des sargasses, qui est, nous le savons bien, redevenue une problématique extrêmement forte sur le quotidien, en termes de dommages faits sur beaucoup de matériel pour nos concitoyens et en termes d'anxiété aussi sur la santé publique. J'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure pour m'exprimer plus longuement sur ce point. Mais là aussi, nous avons pris des engagements clairs. Nul ne découvre le sujet des sargasses depuis 1 an. Mais on avait aussi un peu tardé à régler le problème, comme souvent. L'engagement a été plein et entier. Les ministres se sont déplacés il y a plusieurs semaines maintenant. Et l'engagement du ramassage dans les 48 heures sera tenu. Nous nous en donnons les moyens pour accompagner les collectivités territoriales sur ce sujet. Demain matin, avec l'hôpital, avec une bonne nouvelle et cette première pierre, suite à ce que le territoire de Guadeloupe a pu subir. Et là, nous serons aussi au rendez-vous en investissant 580 millions d'euros sur ce projet à venir et la construction du nouvel hôpital. Et je le dis ici, il n'y a aucun autre territoire de la République où l'État porte ainsi 100% du financement d'un tel projet. Mais ça suppose aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire que nous sortions du mythe, je le disais hier en Martinique, qu'on peut avoir un hôpital de pointe avec absolument tout, une espèce de concurrence un peu folle entre la Guadeloupe et la Martinique sur ce point. Je veux un grand hôpital en Guadeloupe, c'est l'engagement que nous prenons et c'est les financements que nous mettons, mais je veux qu'on développe davantage une stratégie dans les Antilles françaises entre la Guadeloupe et la Martinique dans les années à venir. Et je pourrais y revenir si vous avez des questions sur ce point, c'est ce que nous devons là aussi à nos concitoyens. Enfin, nous évoquerons également les projets d'avenir, les filières, les projets cœur de ville. L'État est aux côtés de 3 collectivités pour développer l'habitat, le commerce, le développement de ces cœurs de ville, ce qui est important pour l'attractivité et le développement local. Et nous évoquerons les filières économiques d'avenir, en particulier le numérique, tout à l'heure à Bemao,
mais également les grandes filières dans l'agriculture, dans le tourisme, dans la santé et l'attractivité. Je crois à cette politique de projet et d'investissement pour la Guadeloupe. C'est pour moi une priorité. Et donc, vous le comprenez, l'objectif pour moi de cette visite, accompagnée de nos ministres, c'est de montrer que le président et tout le gouvernement est pleinement engagé. C'est de répondre aux problématiques du quotidien, comme je l'ai fait hier sur la chlordécone qui touche également la Guadeloupe et sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Mais c'est aussi avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques construire un avenir, une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, une capacité à recréer de l'emploi, de l'économie en Guadeloupe. Et je veux regarder avec vous en avant. Je vais répondre à toutes vos questions. Président, vous devez savoir que de nombreuses associations d'usagers de l'eau ont refusé de vous rencontrer pour exprimer leur colère. Alors, est-ce que vous venez ici pour écouter ou est-ce que vous venez pour abonder la participation de l'État dans le plan de reconstruction du réseau d'eau? Écoutez, d'abord, ils ont été reçus quand les ministres sont venus. Je suis tout à fait prêt à ce qu'ils viennent tout à l'heure. J'ai passé un long moment pour échanger avec tous les acteurs, y compris les maires. Il faut être clair. Sur ce sujet, c'est une compétence qui n'est pas celle de l'État au premier chef. Mais parce que je considère que dans la République française, tous les concitoyens ont droit à avoir un accès à l'eau de qualité, l'État vient au service et vient compenser aussi des manquements du passé. Et donc, moi je suis dans l'écoute et dans l'action, mais toujours avec un discours de vérité et de responsabilité. Il y a des investissements qui n'ont pas été faits par le passé, et ils n'ont pas été faits par des décideurs locaux, pas par l'État. Il y a aussi une habitude qui a été prise, parfois par clientélisme, d'expliquer aux gens « vous pouvez avoir de l'eau et ne pas la payer ». Ça n'est pas vrai. Quand vous ne payez pas l'eau, les travaux ne sont pas faits, et donc vous avez ces pertes qui existent, et puis après les gens qui ont les tours d'eau. La situation que nous avons aujourd'hui, elle est le fait d'un grand mensonge collectif auquel beaucoup ont participé. Moi, je n'étais pas là pour faire ce mensonge. Je suis là pour écouter, avoir un discours de vérité, apporter des solutions. Donc, moi, je reçois toujours tout le monde et j'écoute. Mais la colère, ils doivent l'adresser à celles et ceux qui ont manqué à leurs responsabilités et aux politiques de facilité. Comme vous l'avez constaté, moi je ne mène pas la politique de facilité. Donc nous serons en rendez-vous avec l'ensemble de vos élus d'aujourd'hui et de vos collectivités pour répondre à ce défi et réussir. Bonjour, Christophe Langlois, RCI. Monsieur le Président, la question de la réforme de l'abattement fiscal fait beaucoup débat ici. Guadeloupe Économique, cette union d'organisations patronales est montée au créneau hier. Quelle réponse entendez-vous leur apporter ? Oh, écoutez, c'est simple, je l'ai expliqué hier. On a un abattement fiscal sur l'IR, on le sait, de 30-40%. On ne le supprime pas, on diminue le plafond de l'avantage. C'est un très long débat. Et d'ailleurs, le gouvernement peut-être manque d'ambition sur ce sujet. Parce que, je pense au sénateur Lurel, quand il était ministre, il proposait de tout supprimer. On n'a pas été jusque-là. Bon, peut-être une erreur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on baisse ce plafond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour 4% des contribuables, 4% des contribuables, ils auront toujours un avantage fiscal. Mais on va un peu le réduire. Si je prends un ménage qui touche 80 000 euros par an et qui n'a pas d'enfant, il aura 800 euros par an en plus d'impôts. Mais il aura toujours 2 000 euros par an d'avantage de plus par rapport au même ménage qui est dans l'Hexagone. Bon, donc il faut être raisonnable là-dessus. Deuxième point, cet abattement et la réforme qu'on fait pour les 4% les plus riches, c'est pas ça la réponse à la vie chère. Ou alors on ne veut traiter le problème de la vie chère que pour les gens les plus riches. C'est pas raisonnable. Traiter le problème de la vie chère, c'est avoir plus de concurrence entre les gens qui produisent, développer de la production locale, et d'ailleurs régionale au sens large du terme, dans les Antilles, et arrêter d'importer des produits à plusieurs milliers de kilomètres, c'est développer la souveraineté alimentaire et énergétique de nos Antilles. Mais c'est pas à continuer à subventionner quelques-uns. Et puis le troisième point sur le plan économique. Quand je regarde le taux d'épargne qu'il y a en Guadeloupe comme en Martinique, il est supérieur au taux d'épargne qu'il y a dans l'Hexagone.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce petit avantage qu'on va enlever aux 4% des plus riches, ils vont peut-être un peu moins épargner. Mais cette épargne, elle va où? Dans l'assurance vie. Et cette assurance vie, elle investit où? Dans aucune de nos entreprises ici sur le territoire. L'engagement que nous avons pris, qui est inédit, c'est que les 70 millions d'euros qu'on va un peu enlever aux 4% les plus riches, ils seront réinvestis en totalité et en transparence dans l'ensemble de nos Outre-mer sur des projets concrets. Il n'y a pas un centime qui sera enlevé aux Outre-mer, au contraire, on réinvestit. L'investissement qu'on fait sur l'hôpital, c'est de l'investissement en plus. Mais sur le plan économique, il sera réinvesti sur des projets concrets pour développer l'agriculture, développer le numérique, développer le tourisme, des choses dont on a besoin. C'est ça aussi, avoir une politique de responsabilité. Donc ce choix, il déplaît sans doute aux 4% les plus fortunés qui en bénéficiaient, mais il n'a pas d'explication en termes de justice économique, il n'a pas d'explication en termes de justice sociale. Et la mesure que nous prenons est la plus efficace, en particulier pour l'économie et le quotidien des Guadeloupéens et de l'ensemble de nos Outre-mer. Vous avez expliqué aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe que vous êtes sensible à la vie chère et aussi au développement des filières. Or, dans les grandes surfaces, moins de 15% des productions locales ne se retrouvent en grande surface. De même, l'autorité de la concurrence vient en Martinique de prendre une décision de donner à un opérateur majeur l'achat d'une grande surface. Il se retrouve également au niveau du gros et il y a une vente qui est attendue en Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça est de nature à faire baisser la vie chère? Alors, faire baisser la vie chère, c'est d'abord, en effet, créer plus de concurrence. Sur les transports, les supermarchés, la vie du quotidien, l'essence, on le sait bien. Et donc tout ça, c'est à la fois les décisions que prend l'autorité de la concurrence, mais c'est aussi au quotidien ce que nous faisons avec la DGCCRF. Et nous poursuivrons ces contrôles pour que partout où il existe des situations de monopole de fait ou des situations d'entente où les gens maintiennent des prix trop élevés, on prenne les décisions et on impose aux gens de baisser les prix. C'est un problème qui n'existe pas qu'en Guadeloupe, on le sait bien. Pardon. Si, nous allons relancer des opérations de contrôle ponctuelles, justement dans tous les secteurs qui sont touchés par la vie chère. Et donc dans tous les secteurs où il y a une analyse de concurrence insuffisante. Donc l'État sera au rendez-vous, c'est l'ordre public économique. J'y tiens et je me suis toujours engagé sur ce point. Et donc ce sera fait. Je vous le dis ici, les yeux dans les yeux, et vous en verrez les conséquences dans les prochains mois, y compris les sanctions. La deuxième chose, en termes d'approvisionnement. Si on veut avoir plus de produits dans les supermarchés, dans les commerces, il faut structurer des filières. C'est-à-dire il faut de la production locale qui se développe davantage. Il faut créer plus de synergies entre la Guadeloupe et la Martinique aussi pour qu'il y ait des spécialisations entre les deux selon les filières économiques et en particulier les filières alimentaires parce que tout permet de le faire. Tout permet de le faire. Et là-dessus, on a eu une politique de facilité qui était liée aussi à des mécanismes d'entente, une concurrence insuffisante sur l'import-export et à une politique de contrôle qui a été trop hétérogène où on a beaucoup contrôlé les acteurs locaux et parfois trop peu les produits importés. Je l'évoquais hier sur la chlordécone particulièrement. Et cela, nous allons y remédier. Enfin, si on veut baisser le coût de la vie au quotidien, il faut s'attaquer au problème de l'énergie. La dépendance énergétique de nos Antilles, en particulier de la Guadeloupe, elle crée aussi un ressaut en termes de coût de la vie sur le plan de l'énergie. Et là-dessus, j'ai demandé qu'on relance les grands projets en Guadeloupe comme en Martinique pour qu'on ait une vraie stratégie, et ça fait partie de ces assises de l'Outre-mer, de production d'énergie locale. Par la biomasse, par la géothermie, on a des capacités pour le faire. Certains acteurs industriels, que je ne citerai pas, ont par le passé bloqué ces projets et les ont fait capoter. Nous allons repartir avec d'autres acteurs industriels pour les relancer. Concernant le chlordécone, est-ce que vous irez jusqu'au... Non, ça ne marche pas. Concernant le chlordécone, est-ce que vous irez jusqu'au pollueur-payeur? Alors, concernant le chlordécone, moi j'invite d'abord tout le monde à l'esprit de sérieux. Pendant des années, nous avons continué à utiliser le chlordécone, je le rappelle, jusqu'en 1993, quand les États-Unis se sont arrêtés en 1977. On l'a fait pourquoi? J'ai dit hier qu'il y a une responsabilité collective et que c'était un scandale environnemental. Mais on l'a fait parce que beaucoup d'élus ont dit qu'il fallait continuer à le faire, parce que beaucoup
de grandes propriétaires agricoles et parfois des responsables du monde agricole à l'époque ont dit qu'il fallait continuer à le faire. Parce qu'on nous disait, si vous arrêtez, on sera plus compétitif. Donc, là-dessus, il faut aussi avoir une politique de vérité. C'est la première fois qu'on reconnaît une responsabilité collective, mais que chacune et chacun examine son propre passé et ses propres responsabilités. Ensuite, sur ce sujet, je l'ai expliqué, on va continuer à développer un nouveau plan chlordécone pour que, par exemple, nos concitoyens qui veulent pouvoir faire les analyses dans leurs parcelles et savoir s'il y a de la chlordécone soient indemnisés. Ce sera à un coût zéro, c'est l'ARS qui financera. Ensuite, je souhaite qu'on continue les avancées médicales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait dire que telle ou telle pathologie est liée à la chlordécone. Et donc, l'INSERM et l'ANSES produiront en mars 2019 des analyses qui, j'espère, nous permettront d'avancer sur ce point. Par contre, on sait que certains de nos concitoyens ont été particulièrement exposés à la chlordécone. Je pense en particulier à celles et ceux qui travaillaient dans les bananeries. Et donc sur ce point, j'ai pris un engagement, ce qui est la première fois que nous le faisons. C'est d'ouvrir le registre des maladies professionnelles, en particulier pour ces derniers, que les partenaires sociaux puissent avoir la discussion, qu'on puisse avoir l'expertise scientifique et ouvrir des droits quand le lien de cause à effet sera fait pour celles et ceux qui ont été ainsi surexposés. Et on va continuer la politique de recherche et de transparence avec les cartographies de territoire, avec l'aide et l'accompagnement à nos exploitants agricoles. Et moi je veux dire ici, des terres où il y a de la chlordécone ne sont pas des terres fichues. Ce sont simplement des terres où on ne peut pas faire toutes les cultures. Je l'ai vu hier en détail. Et donc il faut une politique de vérité et de transparence, investir sur la cartographie et accompagner chacun pour qu'on ait une alimentation de qualité et que nous puissions tendre collectivement vers le zéro chlordécone. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. On va maintenant retrouver justement des élus, des associations pour évoquer le problème de l'eau. Je vous remercie pour votre accueil et nous allons continuer ensemble. Merci beaucoup.